Bonjour à toutes et à tous, ici Baguette 39. Alors on se retrouve aujourd'hui avec Miss Kira 02. Coucou. Sur un jeu pas comme les autres, c'est Everfield. Voilà. Donc c'est un jeu assez spécial où faut improviser et tout. Et pas mal délirant. Ouais Kira. Et ouais. Tais-toi. Bon, on commence. Ouais, en plus on a déjà fait. Ouais. Alors voici mon rôle, hein. De toute façon si vous n'avez pas déjà vu. Alors je lis quand même effet d'annonce, un dîner romantique, le sujet qui fâche, plongez-vous au cœur d'un quiproquo amoureux. Exalté, ah. Vous vous attendez gros, à coupe, une grande quoi. Demande. Ah, c'est mignon tout ça. Ça va pas. Maintenant on est en couple avec Kira, bon bah, non je rigole, c'est une blague. Hein. Ne vous faites pas d'idée. Ciao. Bonjour. Bonsoir. Ça va? Oui. Alors, je t'ai invité aujourd'hui pour te dire une chose qui me trottait dans la tête il y a quelques temps. Que tu m'aimes? Et dont j'ai... Non, il y a... Dont j'ai beaucoup... Tu veux te marier? Et je pense que... On devrait mettre fin à cette relation. Parce que ta coupe, je ne la supporte pas. Quoi? Mais ma coupe, je l'ai faite pour toi! Ah non, mais je ne peux pas supporter ta coupe de cheveux. Elle est tellement horrible, tu vois. J'ai besoin d'un homme qui ait une super coupe de cheveux, tu vois. Non, mais tu te fous de ma gueule. Tu voudrais que je me rase, peut-être, hein? Non, raser, tu le fais déjà. Juste changer ta coupe de cheveux. Mais elle est bien, ma coupe de cheveux, là. Non, non, je suis désolée, mais c'est terminé entre vous, entre nous. Non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Pleure pas, écoute, pire t'as tes cheveux pour essuyer tes larmes. Ta Alors là, c'est encore plus une raison pour que tu vas voir. Termine avec toi. Oh, je croyais vraiment pas comme ça, tu vas le regretter. Bah, excuse-moi, mais je suis désolée, c'est comme ça. Je ne peux plus supporter la tête au matin. Et puis t'as vu la tienne là, de tête avec tes cheveux de mamie là. Ma coupe de cheveux, elle est très bien, écoute. Ça s'appelle un carré plongeant. Ouais, c'est, t'as raison, tiens-toi comme ça, là. Elle est lourde, ta tête. Ta tête pleine de liquide vert. Mais ça sert à rien de chercher des excuses, écoute. C'est terminé, voilà. Tu vas mais je comptais te demander en mariage, voyons. Ah bah, je te dis non, et puis voilà. De toute façon, j'ai déjà trouvé quelqu'un d'autre en plus, alors... Ah, tu m'as trompé en plus. Non, mais j'y crois pas. Tu as regretté. Bon bah, voili voilou. Oh, mais c'est la triche, j'ai pas 68%. Non, mais oh, mytho. Nous revoilà avec Miss Kira 02. Coucou. Toujours avec le petit écho, mais c'est pas flagrant. Alors là, on est voilà, un employé oui. Et un patron. Donc le but, c'est que Kira doit se faire embaucher. Alors, négociation. Non, une non, situation délicate non, entre un patron non, et son employé. Embaucher. Je demande une augmentation. Ah oui, d'accord. Bon, on commence. Ok, tout de suite. Oh, joli cheval. Je suis riche, moi, en tout cas. Improviser. Bon, bonsoir monsieur. Bonsoir mademoiselle. Oui, donc je viens vous voir donc pour en fait parce que je suis totalement épuisée, je fais des heures de ouf et j'aimerais une augmentation. Oui, mais c'est tout le monde pareil, je comprends pas. Bah écoutez, je fais plus d'horaires et d'heures que mes collègues et je sais pas, ça fait depuis 3 ans que je suis dans votre entreprise, je n'ai jamais fait d'erreur ni rien du tout, vous n'avez jamais été déçu de moi, alors pourquoi pas avoir une augmentation? Une augmentation de 2% alors.
Une quoi? Une augmentation de 2% alors. J'ai compris de ça. On ne rigole pas dans le bureau du patron, mademoiselle, d'accord? Non mais écoutez, une augmentation de 2%, c'est vraiment rien du tout. Je écoutez, ne peux pas faire mieux. Ça fait même pas 3 euros sur mon salaire. Non, écoutez, je suis. T'as quand même pas 100 euros de paye, écoutez, hein. Écoutez, je suis prête à prendre beaucoup plus de responsabilités, même peut-être passer sous votre bureau. Non, mais. Mademoiselle, là, ça va pas le faire, hein. Moi aussi, j'ai une famille à nourrir, hein. Bon, d'accord, je gagne beaucoup. Mais vous êtes patron, vous asseyez le cul sur votre siège toute la journée, alors que moi, je bosse, je cours, limite, j'ai même pas 20 minutes pour manger. Écoutez, je trouve ça vraiment dégueulasse. Donc, écoutez, on peut. 5%. On peut s'arranger. On peut s'arranger. Ah. On passe pourquoi chez pas moi et puis on peut s'arranger à augmenter mon salaire. Ah, bah d'accord, on verra bien ça. Hein. Attendez, okay, je note votre adresse. Oui, c'est ça, vous avez juste un papier à votre gauche. Re, tout le monde, on se retrouve avec Black Gunner. Re. Sur un nouvel scénario sur Everfield. Alors là, c'est en beau voisinage, un sublime jardinier émoustillé le quartier. Émoustillé le quartier, pardon. Tout le monde le se l'arrache. Marchandises et loyaux services. Et donc, voici mon rôle. Donc, à tout de suite, Black. À tout de suite. Allez, improvisé. Bonjour, ma gentille voisine. Salut, gentil voisin. T'as enfin changé ta coupe de cheveux merdique. Et on se calme, mademoiselle. Je préfère ça quand même, hein. Donc, elle me fait des avances, là. Bah, qu'est-ce que tu crois, petit coquinou? Non, je venais juste pour dire. Attends, j'ai une femme et des enfants, mademoiselle. Ah, excuse-moi, qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste emprunter votre jardinier, là, parce que. Déjà, ce n'est pas un objet d'abord, hein, c'est un humain, hein, je sais il bien. Vit, vous voyez, et de deux, il est à moi, tu vois, il est en train de faire mon jardin, qui est tellement magnifique, donc au pire, non. Ne me tutoyez pas, déjà, mais j'ai vraiment besoin de ce jardinier pour planter mon arbre dans mon jardin derrière. Et vous pouvez pas le faire tout seul? Mais non, je ne suis pas fait pour, je suis quelqu'un du bureau, moi. Vous voyez bien avec mon costard. Ah oui, forcément, ça se voit. Hein. Écoutez, voilà. Dites à votre secrétaire de 1, voilà, peut-être elle le fera pour vous, mais... Non, mais, hey, oh, mademoiselle, je viens en toute amitié. Ah oui, non, mais c'est cette belle amitié, là. Ouais, bah, la votre amitié, elle est un peu spéciale, hein, mademoiselle. Mademoiselle. Mais on arrête de se moquer, là. Vous allez voir, je vais embarquer votre jardinier, là, pour qu'il me creuse le trou, là, derrière, là. Excusez-moi, mais faites attention. Est-ce que vous avez une femme? Est-ce que vous avez une femme? Oui. Voilà. Et bah, comment dire? Vous êtes un homme et il est un homme. Et donc, vous voyez? Il vous regarde là. Regardez, il vous regarde. Il est intéressé par vous, attention. Oh mon dieu! Il veut vous. Non! Vous pouvez pas. Non, c'est bon, il recruse. C'est bon. Vous pouvez pas. Vous allez le tromper avec. Ouais, c'est ça, ouais. Essayez de m'abadouer. Non, je crois pas. Ouais, si, moi je suis sûr. Retournons, on se retrouve sur Everfield pour un nouvel épisode. Donc, cette fois-ci, c'est. Alors, notre rôle, ça va être réveil difficile. Visiblement, vous ne faites pas confiance. Offrez-vous un moment de jalousie. Donc, voici mon rôle qui se tient ici. Et pour Black, ça va être un autre rôle. Donc, on commence par prêt. A tout de suite. Surpris, vous gérez au mieux la situation. Mais chut! Prêt! Ah oui, c'est bon. On voit à travers la mini-jupe. Oh, c'est mythique! Oh, la pub! Oh là là! Oh non! Oh là là!
Non mais oh, qu'est-ce que tu fais sur le site du Mythique là? Tu te Quoi? prends pour qui? Mais c'est pas moi, c'est une pub. Oui bien sûr, c'est une pub, tu te fous de ma... T'es juste endormi dessus. Mais Ça c'est va une là? pub. Bah bien sûr, je suis endormi devant l'ordinateur, après il y a plein de pubs qui sont affichées, attends. Mais oui bien sûr. Ah bah. Et t'as juste commencé à écrire un pseudo, ta description physique, mais oui c'est une pub. Mais d'où il y a mon pseudo Tu et ma te fous de description ma gueule, physique, tu te qu'est-ce que tu fous de ma dis? gueule. Non, Y a tu te rien? fous vraiment de ma gueule, hein. Mais y Qu'est-ce a qu'il y rien, a? Je qu'est-ce que tu te dis? plais pas assez, c'est ça? Mais non, mais c'est pas ça, mais c'est une pub, je te dis, oh là là. Mais non! T'as commencé à écrire ta description là, tu te fous vraiment de ma gueule, je te dis! Mais c'est pas ma description à moi, attends, je suis pas 1m90 non plus, hein. C'est ça, oui, bien sûr, c'est ça, oui. Mais. Puis c'est qui la meuf là, Attends. sur la fenêtre là? Mais. Ah, mais c'est pour un ami que j'ai commencé à inscrire, j'avoue, mais bon. Mais oui, Bah bien si! sûr! Bah regardez Alors au la début tu m'as description dit que c'était une technique. pub et maintenant c'est pour un ami! Bah Tu te oui, prends mais. pour une. Tu me prends vraiment pour une blonde, hein? Mais Même t'es si je suis blonde. Allô? blonde. Je t'emmerde. Ouais, je sais. Alors comme Mais ça, je te plais pas, il te faut quelqu'un d'autre, Mais non, mais hein? c'est pas ça! Oh là là, je Bah t'ai dit, alors, c'est qu'est-ce pour qu'il un y a? Prouve-le-moi! ami! C'est pour un ami! Ah oui, il y a lequel alors? Tous Mais nos amis c'est. sont en couple. Mais c'est Roger, tu sais, le clochard là, le voisin là. Bah oui, bien sûr. C'est Bah, celui c'est qui un a. clochard, mais il est quand même, il est Mais quand même non, mais c'est une mignon. façon de parler! Oh là là, tu connais bien notre voisin Roger! Attends, c'est un bon à rien, il fout rien de sa vie, il sait même pas sur l'ordinateur, c'est pour ça que je l'inscris! Je te signale que hier il m'a appelé, il avait déjà trouvé quelqu'un. Non, 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 je crois pas, Si, attends, je si, sais ce que si. je dis, hein! Franchement, tu abuses, C'est toi qui t'es vraiment abuses! qu'un salaud. T'es qu'un Ouais! salaud, et puis Non, voilà. non, non, mais non, je suis pas d'accord, Tu moi! vas voir, moi, je vais te fouetter. Ah oh ouais, vas-y! Avec ta coupe de. Bon bah voilà la fin. Vous en faites pas. La fin, c'est ironique, hein, je vous le dis. Bon bah allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mettez un petit pouce vert si ça vous a plu.